Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif du film de romance et d'aventure intitulé The Princess Bride datant de 1987. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Le film s'ouvre sur un enfant malade. Sa mère vient l'informer que son grand-père va arriver. Le grand-père entre et lit un livre à son petit-fils malade. L'histoire est celle de Bouton d'Or, une jeune femme vivant dans une ferme du royaume fictif de Florine. Lorsqu'elle demande à Wesley, le valet de ferme, de faire quelque chose, il s'exécute toujours en disant « comme tu veux ». Ils tombent profondément amoureux et Wesley part chercher fortune à l'étranger pour qu'ils puissent se marier. Lorsque son navire est attaqué par le Dread Pirates Roberts, qui a la réputation de ne jamais laisser de survivants, Wesley est présumé mort. 5 ans plus tard, Bouton d'Or est fiancé de force au prince Humperdinck, l'héritier du trône de Florine. Avant le mariage, elle est enlevée par 3 hors-la-loi. Un petit Sicilien nommé Vizzini, un géant du Groenland nommé Fedzik et un maître d'armes espagnol nommé Inigo Montoya qui cherche à se venger d'un homme à 6 doigts qui a assassiné son père. Un homme masqué en noir les poursuit, tout comme le prince Humperdinck et ses soldats. L'homme en noir affronte les hors-la-loi au sommet des falaises de la folie. Il bat Inigo en duel et l'assomme, étouffe Fedzik jusqu'à ce qu'il perde connaissance et trompe Vizzini en lui faisant boire un poison mortel. Il fait prisonnier Bouton d'Or et il s'enfuit s'arrêtant près d'une gorge. Bouton d'Or devine qu'il s'agit du Dread Pirate Roberts et lui reproche d'avoir tué Wesley et le pousse dans la gorge en souhaitant sa mort. En tombant, il s'écrie « comme tu veux ». Comprenant qu'il s'agit de Wesley, elle se jette dans la gorge à sa suite et ils sont réunis. Pendant ce temps, le prince Humperdinck a donné l'alerte et s'est mis en chasse. Il veut une excuse pour partir en guerre contre Gilder, le pays voisin vers lequel les ravisseurs de Bouton d'Or l'ont emmené. Wesley et Bouton d'Or s'enfuient, dans le redoutable marais de feu, pour échapper à leurs poursuivants. Wesley explique que le titre de Dread Pirate Roberts est un titre hérité. Il l'a pris lorsque le précédent Roberts a voulu se retirer. Ayant maintenant trouvé Bouton d'Or, Wesley a l'intention de céder le titre à un autre. Humperdinck capture le couple après qu'il soit sorti du marais de feu. Bouton d'Or accepte de revenir avec Humperdinck après que celui-ci ait promis de libérer Wesley. Humperdinck ordonne alors secrètement à son vizir sadique, le comte Rügen, d'emmener Wesley dans sa chambre de torture, la fosse du désespoir. Avant d'être assommé, Wesley remarque que le comte Rügen est l'homme aux 6 doigts qui a tué le père d'Inigo. Humperdinck, accompagné de Bouton d'Or, rentre chez lui pour préparer son mariage et l'invasion de Gilder, pour laquelle il prévoit d'obtenir le soutien populaire de Florine en assassinant Bouton d'Or pendant leur nuit de noces et en accusant Gilder. Bouton d'Or réalise rapidement que son amour pour Wesley est si fort qu'elle ne peut se résoudre à épouser Humperdinck. Elle demande à être libérée de sa promesse sous prétexte qu'elle se tuera la nuit de ses noces si elle est forcée de le faire. Humperdinck fait mine de céder. Il suggère que Wesley n'aime peut-être plus Bouton d'Or, mais il promet d'envoyer ses 4 navires les plus rapides à la poursuite de la fugitive, portant des copies d'une lettre de Bouton d'Or demandant à Wesley de revenir la chercher. Il dit que si Wesley ne revient pas, elle envisage d'épouser Humperdinck comme alternative au suicide. Bouton d'Or, sereinement confiante que son Wesley la sauvera, accepte. Dans les jours qui précèdent le mariage, le prince Humperdinck fait tout pour renforcer la sécurité autour du château. Il ordonne que la forêt des voleurs de Florine soit débarrassée de tout trouble fait potentiel et que le nombre de gardes à la porte du château soit augmenté. Fedzik est engagé dans l'escouade de brutes chargée de purger la forêt des voleurs et apprend que le comte Rügen, l'homme à 6 doigts tant recherché par Inigo, est au château. Lorsqu'il trouve un Inigo très ivre dans la forêt des voleurs, Fedzik le ramène chez lui, le dégrise et lui annonce qu'il a trouvé l'homme aux 6 doigts. Inigo et Fedzik décident de poursuivre le comte Rügen, mais réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sait planifier quelqu'un comme l'homme en noir. Pendant ce temps, dans la fosse du désespoir, le comte Rügen a utilisé une machine de torture pour aspirer 1 année de la vie de Wesley. Lorsque Bouton d'Or se rend compte que le prince Humperdinck n'a jamais envoyé ses bateaux à la recherche de Wesley, elle le traite de lâche. Il évacue sa colère en courant jusqu'à la fosse, en mettant la machine à fond et en torturant Wesley à mort. Fedzik et Inigo entendent le cri d'agonie de Wesley et partent à sa recherche. Près de la mine, ils rencontrent l'albino qui a porté une brouette pour transporter le corps de Wesley. Fedzik l'assomme par erreur, avant qu'il ne puisse leur dire où se trouve Wesley,
et Inigo doit faire appel à l'esprit de son père pour le guider vers l'entrée cachée du puits qui se trouve dans un tronc d'arbre. Ils atteignent le puits du désespoir pour découvrir que Wesley est mort et qu'ils ont besoin d'un miracle. Dans le monde réel, le petit-fils est bouleversé et demande comment Wesley peut être mort et qui obtient le prince Humperdinck à la fin. Le grand-père mentionne que Humperdinck est vivant. Le petit-fils s'énerve encore plus et le grand-père lui suggère d'arrêter de lire le livre pour le moment. Le petit-fils se calme et supplie son grand-père de continuer. Inigo et Fezzik emmènent le corps de Wesley chez Miracle Max, qui est à la retraite et ne veut pas accepter le travail. Il menace d'appeler l'escouade des brutes pour les faire fuir, mais cède quand Fezzik lui fait remarquer qu'il fait partie de l'escouade des brutes. Max diagnostique que Wesley est presque mort et lui demande ce qui dans sa vie vaut la peine de revenir d'entre les morts. Wesley répond « le véritable amour ». Max fait semblant d'avoir mal compris, mais sa femme Valérie le presse de l'aider et mentionne que Max a perdu sa confiance en lui lorsque le prince Humperdinck l'a mis à la porte. Inigo dit que Wesley est le grand amour de Bouton d'Or et que si Max peut le ramener à la vie, cela ruinera le mariage de Humperdinck. Ravi à l'idée de faire un mauvais coup au prince, Max accepte leur argent et prépare une grosse pilule miracle enrobée de chocolat. Inigo et Fezzik partent avec Wesley et la pilule accompagnée des bons vœux de Max et Valérie. Sur un rempart surplombant la porte du château, Inigo et Fezzik donnent la pilule miracle au cadavre de Wesley. Cela fonctionne immédiatement. Du moins, cela le ramène en grande partie à la vie. Il peut parler, mais il ne peut pas marcher ou bouger beaucoup. Les trois hommes examinent la situation. La porte du château est gardée par 60 hommes et Bouton d'Or doit être marié dans moins d'une demi-heure. Ils doivent entrer sauver Bouton d'Or et tuer le contre-Gaine. Leurs atouts, l'épée d'Inigo, la force de Fezzik et le cerveau de Wesley. Wesley objecte qu'avec si peu de temps pour planifier, ce n'est pas possible, mais s'ils avaient une brouette, cela pourrait aider. Inigo et Fezzik rappellent que la brouette de l'Albinos est pratique, et lorsque Wesley souligne qu'il ferait n'importe quoi pour une cape d'Holocauste, Fezzik en produit une que Max lui a donnée. Dans la chapelle du château, le mariage est prêt à commencer. Dehors, une sombre apparition, Fezzik vêtu de la cape de l'Holocauste est debout dans la brouette poussée avec difficulté par Inigo, qui traîne également Wesley presque immobile, s'approche de la grille. Il affirme qu'il est le Dread Pirates Roberts et qu'il n'y aura aucun survivant. Les gardes de la porte hésitent. Lorsqu'Inigo met le feu à la cape d'Holocauste, les gardes s'enfuient, à l'exception de Yelin, l'homme de main en chef de Humperdinck. Yelin donne la clé de la porte lorsqu'il menace Fezzik de lui arracher les bras. Inigo, Fezzik et Wesley rencontrent le comte Rugen et quelques gardes dans un couloir du château. Rugen dirige les gardes vers Inigo et Fezzik, mais Inigo les élimine facilement. Il s'adresse ensuite au comte Rugen en prononçant son nom et en lui disant de se préparer car il a tué son père. Le comte Rugen tend son épée, mais se ravise et s'enfuit. Humperdinck, qui a entendu l'agitation à la porte et a envoyé Rugen enquêter, a précipité l'ecclésiastique à la voix ridicule et une Bouton d'Or déconcertée qui était sûre que Wesley la sauverait avant son mariage. Elle est escortée jusqu'à la suite nuptiale par le roi et la reine, ses nouveaux beaux-parents. Bouton d'Or remercie le roi pour sa gentillesse et lui dit qu'elle va se suicider sous peu. Le roi, qui est plutôt sourd, lui répond « ce serait bien ». Inigo part à la poursuite de Rugen, mais se heurte rapidement à une porte verrouillée et appelle Fezzik. Fezzik drape Wesley aux jambes caoutchouteuses sur une armure et va l'aider. Il est perplexe lorsqu'il revient quelques minutes plus tard et que Wesley a disparu. Pendant ce temps, Inigo a poursuivi le comte à travers le château. Acculé dans une salle de banquet, Rugen sort une dague de sa botte et la lance sur Inigo, l'atteignant au ventre. Inigo semble sur le point d'expirer, et le comte parvient à le blesser aux deux épaules. Puis Inigo se ressaisit et retourne au combat en récitant son défi. Sa voix et son attaque se renforcent à chaque répétition. Il prononce à nouveau son nom, tout en lui disant de se préparer car il a tué son père. Le comte, déconcerté, gémit juste avant qu'Inigo ne se rapproche et lui dit d'arrêter, de le répéter encore et encore. Après avoir infligé à Rugen des blessures aux joues et aux épaules qui correspondent à celles que Ruben lui a infligées, Inigo permet au comte de négocier et de supplier pour sa vie, puis le tue d'un coup de poignard dans le ventre. Dans la suite nuptiale, Bouton d'Or s'empare d'une dague. Alors qu'elle s'apprête à se tuer, une voix derrière elle dit « Il y a une pénurie de saints parfaits dans ce monde. Ce serait dommage d'abîmer les vôtres. » Elle se retourne pour trouver Wesley allongé sur le lit et se jette dans ses bras. Après un moment de retrouvailles heureuses,
Bouton d'Or avoue que sans le vouloir, elle a épousé le prince Humperdinck. Wesley lui fait remarquer que si elle n'a pas dit « je le veux », ce qu'elle n'a pas fait, car Humperdinck a fait sauter la plus grande partie de la cérémonie, ce n'était pas un mariage légal. Humperdinck entre déclarant qu'il va remédier à ce vice de forme. Mais d'abord, il veut défier Wesley dans un combat à mort. Wesley riposte et décrit comment il va défigurer le beau prince, lui laissant ses oreilles de sorte que chaque cri et chaque pleur poussé par les gens qui le voient résonneront dans ses oreilles parfaites. Wesley se lève et dit à Humperdinck de lâcher son épée. Humperdinck, intimidé, s'exécute puis s'assoit sur une chaise à laquelle Bouton d'Or l'attache. Inigo entre par hasard et propose de tuer le prince Humperdinck, mais Wesley veut qu'il vive seul avec sa lâcheté. Ils entendent Fedzik appeler Inigo depuis la cour. Fedzik a trouvé 4 chevaux blancs, et comme ils sont 4, il les a emmenés avec lui. Bouton d'Or saute en bas et Fedzik l'attrape. Inigo n'est pas sûr de ce qu'il va faire du reste de sa vie. Wesley demande s'il a envisagé la piraterie. Ils sautent en bas et tous les 4 s'en vont sur les chevaux blancs. Le grand-père termine l'histoire. Avant de lire la dernière ligne, il ferme le livre car il y a encore des baisers. Le petit-fils n'aime pas ces passages. Mais le petit-fils mentionne que cela ne le dérange pas, alors le grand-père lit la dernière ligne du livre. Depuis l'invention du baiser, il y a eu 5 baisers classés, les plus passionnés, les plus purs. Celui-là les a tous dépassés. Le grand-père dit au garçon d'aller dormir et le petit-fils lui demande de revenir le lendemain pour relire le livre. Le grand-père répond « Comme tu veux ». C'est ici que se termine ce film. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.